Eldorado de Laurent Godet. Lecture de la partie 1, L'ombre de Catane. À Catane, en ce jour, le pavé des ruelles du quartier du Duomo sentait la poiscaille. Sur les étals serrés du marché, des centaines de poissons morts faisaient briller le soleil de midi. Des seaux à terre recueillaient les entrailles de la mer que les hommes vidaient d'un geste sec. Les thons et les espéradons étaient exposés comme des trophées précieux. Les pêcheurs restaient derrière leurs tréteaux avec l'œil plissé du commerçant aux aguets. La foule se pressait lentement, comme si elle avait décidé de passer en revue tous les poissons, regardant ce que chacun proposait, jugeant en silence du poids, du prix et de la fraîcheur de la marchandise. Les femmes du quartier remplissaient leurs paniers d'osier. Les jeunes gens, eux,